connais cette sauce? Tu saurais bien ce qu'il y a dedans? De lard fumé, des champignons. Tu vas voir la crème fraîche? Le carré de veau, s'il vous plaît. Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi. Du persil. Il y a aussi du paprika et on ajoute de la gelée de groseille. C'est très bon ce qu'on a fait. Mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon, d'une esquisse. Nous sommes à l'automne de notre vie. Parlez pour vous, je me sens en plein été. Je vous le demande encore, Eugénie, marions-nous. Nous passons plus de temps ensemble que bien des époux, à étudier des recettes, à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi? Je relève le pari d'émerveiller le prince avec un pot-au-feu de ma composition, avec votre aide. C'est un peu risqué et audacieux. Je suis si heureuse et reconnaissante. Il faut de la culture, de la mémoire pour que le goût se forme. Tu dois te souvenir de ce goût. Oui, monsieur. Les potages seront un de caille au coulis de la reine. Pourquoi vous n'êtes jamais à table avec nous? Je converse déjà avec vous à travers ce que vous mangez. Eugénie? On ne sait pas de quoi souffre Eugénie. Je me sens parfaitement bien. Non, vous n'allez pas bien. Je m'inquiète. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà. Mais vous ne vous êtes jamais eu.